Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Skiban. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo analyse. Et cette vidéo est basée sur ce que nous avons reçu comme témoin puissant. Et l'un des témoins puissants de ce jour a raconté des choses assez compliquées sur ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement le témoin puissant 249. Vous pouvez aller le regarder. De quoi ça, il s'agissait tout simplement d'un homme. Un homme qui aimait les femmes. Il aimait tellement femmes qu'il a décidé d'aller sur internet pour chercher femmes. Il dit qu'il est allé sur Badou et il a rencontré une femme blanche. Et il a rencontré cette femme et à un moment donné, les deux ont commencé à bien causer. Les deux ont commencé à s'aimer sur les réseaux sociaux. Et un jour, pendant qu'ils causaient, voici que la femme va lui demander quelque chose que les deux n'ont jamais demandé auparavant. Selon vous, qu'est-ce qu'elle va lui demander? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est quoi? Elle est riche. Elle a déjà ce qu'il faut. Mes frères et sœurs, c'est là où vous serez surpris. Elle va tout simplement lui demander de se mettre nu. Hein? Et lui aussi, il va se lever sans hésiter, puisque les deux causent très longtemps et que les deux se connaissent. Bon, du moins sur les réseaux sociaux. Donc, il n'a pas hésité. Puisqu'il la voit et que lui aussi, et elle aussi, elle le voit. Donc, il s'est mis nu. Et quand il s'est mis nu, il s'est déshabillé, il s'est mis nu. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle aussi, à son tour, elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle s'est mise nue et elle a commencé à se tourner devant la caméra et il la regardait. Voilà qu'il la regardait là. Quelque chose d'inhumain s'est produit. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Elle s'est transformée en un homme noir. Hé, mes frères et sœurs, il a vu la transformation là de ses yeux, comme si c'était un film de magie. Oui, c'est ce qu'il a vu, qu'il nous a raconté. Et ce qu'il a dit m'a tellement dépassé que nous avons fait un témoignage puissant, c'est le témoignage puissant 249. Et ici, nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce que les gens vont faire sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux? Qu'allez-vous faire sur les réseaux sociaux? Comment pouvez-vous? Bon, d'abord, dites-nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envoyer des nudes à une personne que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà envoyé des nudes, c'est-à-dire des photos nues à une personne peut-être qui est votre ami via Internet? Ce sont des choses assez dangereuses. Ah! Tu vas envoyer une photo de toi nu, à poil, vers de terre, à une autre personne, même si tu vois la personne, même si c'est ton mari. Tu vas envoyer cette photo-là comme ça sur Internet. Mais cette photo sera accessible à tout le monde. Et c'est là même le danger. Bon, là même ce n'est pas le problème. Le problème est que des gens se mettent nus partout sur Internet aujourd'hui. Un jour, j'ai une collègue qui faisait une vidéo. Et elle faisait... elle recherchait, elle a dit à ses abonnés qu'elle serait sur un réseau, c'est-à-dire un réseau social. Voilà, et ses abonnés doivent tout simplement se connecter et elle peut-être, si elle tombe sur vous, elle vous dira un coucou, un petit bonjour. Et elle, c'était ce qu'elle faisait. Et elle continuait
à faire défiler les images. Elle n'est pas tombée en premier lieu sur ses abonnés. En premier lieu, elle est tombée sur des personnes. Elle n'a pas hésité à échanger avec eux. Déjà pour commencer, elle se fait passer pour une autre personne. De sorte que vous, qui êtes son abonné, vous ne puissiez pas tout de suite savoir qui elle est. Et voici que elle est tombée sur une personne. À un moment donné, cette personne lui a dit, s'il te plaît, montre-moi tes seins. Mes frères, si vous n'avez pas 18 ans, arrêtez-vous. S'il te plaît, montre-moi tes seins. Elle dit, pourquoi veux-tu que je te montre mes seins? Et puis, il se préparait même à se masturber. Il ne savait même pas que c'était filmé. Vous voyez, tout ce qu'on fait sur la télé, c'est filmé. Il ne savait pas que c'était filmé, que la fille était en train de filmer ça. Elle faisait ça comme une vidéo qu'elle va poster pour se souvenir de cet événement. Elle va poster cette vidéo et tous ses amis, tous ses abonnés qui étaient présents là, ils seront contents de se revoir dans cette vidéo extraordinaire. Et alors, à sa grande surprise, elle voit un homme qui lui demande de lui montrer ses seins. Elle lui n'avait pas hésité. Il voulait se lever. Il insistait. Il voulait se lever et lui montrer même son pénis. Et elle a coupé. Quand elle continuait son chemin, elle est aussi tombée sur un homme. Une personne, c'est un homme âgé. Elle a cru que comme c'était un homme âgé, elle n'aurait pas de problème. Mais quand elle était là à le regarder à un moment donné, ce vieillard là se levait aussi. Il était nu. Et il est carrément venu se positionner avec tout ce qu'il avait. Tout. Il était en verre de terre. Elle voyait tout. Elle criait, j'ai moins de 18 ans. Mais elle a tout vu. Puisque c'était une vidéo, elle a oublié de fouetter la partie. C'est pourquoi moi j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux. Regardez, nous allons voir. Ok, peut-être cette image va apparaître ici ou ici, mais vous allez voir la vidéo. Regardons ensemble pour voir ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Regardez ce que les humains font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Découvrons ce ensemble. C'est parti. Numéro 1, let's go. Ouh! Envoie une fille qui nous salue. Elle nous salue, hein? Bon, écoute, coucou, tu vas bien? Mais pourquoi me montres-tu tes seins aussi? Vous voyez le problème là-même, c'est ça aussi. Regardez comment les gens s'habillent et ils se montrent les seins comme ça. C'est décolleté. Aïe, regarde mes seins, c'est joli. Tu peux venir croquer? Voilà, elle a dit un gars. Elle a dit un gars. Voici ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Or, sur les réseaux sociaux, il y a des démons aussi qui sont là. Si toi, mon frère, tu as vu ça et puis tu es content, tu veux faire coucou là. Hey, il y a des démons aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Hein. Fais attention. Qu'est-ce qu'on va voir par la suite? On voit des joueurs. On voit également des gens qui sont des embrassés. Ah, est-ce qu'ils sont mariés? Les humains font beaucoup de choses qui ne sont pas toujours superbes. S'ils sont mariés, ok, après ceci. On voit un bébé qui a été têté le sein de sa mère. Ou c'est un ballon? Qui peut le savoir? Voilà, voici ce que les humains font sur les réseaux sociaux. C'est pas tout. Ça, c'est la page d'accueil. Ici, vous trouverez Nyansripan. Toutes les miniatures de nos vidéos sont postées ici. Vidéo analyse 23. Regardez. Et cette femme que vous voyez au milieu là, elle est le prototype de ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux. Comment les gens s'habillent, comment les gens font, ils se mettent sur les réseaux sociaux et comment ils se conduisent. Tout ça ici. Vous pouvez venir vous abonner également sur Instagram, c'est Nyansripan. Et
vous en saurez plus. Nous avons plus de 9951 followers, c'est pas mal. Quand on clique sur la barre de recherche, là ça se complique. Regardez, on voit tout le monde en mouvement, la jeunesse est en mouvement. Et regardez comment les gens font. Oh, regardez, ça c'est la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui, on bouge, on s'habille comme les hommes. Ça, elles sont habillées en culotte, on suppose que c'est l'habillement des hommes. Alors Dieu nous demande de ne pas le faire. Et quand on va plus loin, on peut même voir les animaux qui sont là. Regardez, n'est-ce pas beau ça? Moi, je trouve que les animaux sont plus mignons parfois même que les humains. Bon, n'est-ce pas les humains, hein? Mais regardez, qu'est-ce qu'elle va nous montrer encore? What? Regardez ce qu'elle a fait faire. Wouh! Elle danse. Mais c'est que je danse ça. Wouh! Elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude. Elle veut tout nous montrer. Regardez. Wow! Regardez ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Tchè. What the shit? Regardez. Wouah! Hey, regardez que le tête se mouvoir. Mon frère, s'il te plaît, ne continue plus. Parce qu'à un moment donné, là, c'est plus la vidéo que tu vas regarder. Tu dois commencer à faire autre chose. À cause de l'excitation. Quand une femme s'habille en pantalon, Dieu sait ce qui se passe après. Mes frères et sœurs, voici en réalité ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, je peux dire que c'est un bref aperçu. Sur les réseaux sociaux, les gens font tout ce qui leur passe par l'esprit. On suppose que ça, c'est juste un aperçu de ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Sinon, en clair, les gens vont au-delà. Ah! Regardez ce qui... C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui, j'observe ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et ce qui est étrange, c'est que Dieu voit tout ce que nous faisons également sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et waouh! Qu'est-ce qu'il fait le chien? Quelqu'un a dit un jour que nous sommes dans une société de consommation. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, tu vois un chien comme ça, dès de méditer, tu le prends en photo. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il veut manger quoi? Le flow quoi? Mais ça, ce n'est qu'un bref aperçu. Ce n'est pas encore fini. Vous allez voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Waouh! Les gens s'exposent, il y a tout d'exposition, il y a beaucoup de choses. Waouh! Ça, ce sont des footballeurs. Oh! Voilà ce qui se passe. Donc, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, il y a tout. Mais quand on voit au-delà de ça, là, ça se complique. La manière dont les gens s'habillent sur les réseaux sociaux n'est pas toujours joli. Je vous parle de quelque chose. C'est pas toujours joli. Oui. Et vous pouvez voir que les réseaux sociaux sont devenus un lieu où on fait du commerce. On suppose que la plupart du temps, les gens font du commerce, font leur business là-bas. Mais si toi, tu décides d'aller chercher une femme là-bas, mais que vas-tu se passer avec toi? Pourquoi vas-tu te mettre nu comme ça? Ou bien partager, avoir tes nudes à tout le... Franchement. Les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, beaucoup de choses, toutes ces choses doivent nous servir. Et toi, tu dois les utiliser pour informer les gens sur de bonnes choses. Ils doivent passer des messages positifs. Et non des choses assez compliquées qui vont même pousser des gens. Tu mets nu. Même tu me regardes. Regardez vous-même.
Et ça, ce n'est qu'un bref aperçu de ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est ça, là, c'est l'image, concrètement l'image de tout ce qui se passe. Franchement, quand je m'assois un peu, je regarde, j'observe. Et j'ai encore du mal à y croire que cet homme est allé jusqu'à se mettre nu. Et quand il s'est mis nu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est mis nu face à cette femme-là sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé est que quand elle a fini, elle s'est transformée en un homme. Elle lui a dit, je t'ai vu. Désormais, toi et moi, nous sommes faits pour la vie. Nous sommes mariés, femmes, indétachables. Et ce qui s'est passé, vous pouvez le regarder dans le Thomas Puissant, 249, qui paraîtra même à la fin de cette vidéo. Waouh! 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 Voilà! Les gens aujourd'hui s'habillent comme ils veulent. Mais quand Dieu analyse une situation, il n'est pas. Il est content de tout. Content de tout de nous. Et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux est parfois assez compliqué. Vous avez vu? Vous avez vu de vous-même? Si on ne vous a pas dit, bien dit comme on ne vous a pas dit. Aujourd'hui, nous venons de voir des choses assez compliquées. Nous devons vraiment faire attention. Attention! Ne pas s'exposer, ne pas faire des choses inutiles sur les réseaux sociaux. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention à qui, avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. Faites vraiment attention à ceux avec qui vous avez des contacts. Ah, si tu ne sais pas quel est l'état d'âme de quelqu'un, est-ce que tu es... Même avant de se mettre nu devant une personne, on te demande de se marier. Il faut te marier d'abord avant de connaître le sexe. Mais toi, comme tu te dis que tu te trouves dans le monde, tu te dis que tu es libre. Tu te dis que tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ton aptitude ou encore ton entêtement risque de te pousser de des situations trop compliquées. Je vous dis que cet homme-là, quand il a traversé cette situation, à un moment donné, là, il voyait ces démons-là partout. Et ce démon-là prenait la forme d'un tigre. Ou bien cette personne que vous avez vue sur les réseaux sociaux, puisque lui a dit qu'il n'aura plus jamais la paix. Donc, ce démon-là, cette femme-là, qui s'est transformée en un homme, qui est en même temps une sirène, elle est descendue sur lui, il pouvait la voir dans ses rêves. Et cet homme ne pouvait plus dormir. Il ne pouvait plus dormir du tout. Ce témoignage va vous étonner. Il ne pouvait plus dormir. Comment va-t-il dormir? C'est impossible. Et il était dans les soucis. Du coup, il a compris que s'il ne prie pas, il ne cherche pas Dieu, ça va mal terminer, ça va mal finir. C'est ainsi que cet homme est tout simplement entré en contact avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est dans la prière que tout s'est passé et finalement il a reçu une épée qui pouvait tout simplement l'aider à combattre ce démon-là. Ce démon-là même s'est transformé en serpent. Il dit qu'un jour il dormait et il a senti qu'on lui léchait le corps, le pied, pas tout même. Il ne savait pas ce que c'était. Quand il s'est réveillé, il a vu un serpent. C'était un serpent. Tout de suite, il a commencé à prier. Je te chasse au nom de Jésus. Il a dit qu'en ce moment-là, celui-là même qui était mondain, qui s'exposait, qui exposait sa nudité sur les réseaux sociaux-là, il était devenu un frère chrétien et il priait sérieusement. Mes frères et sœurs, n'attendez pas que ces genres de choses vous arrivent avant de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller et d'arrêter d'exposer votre nudité sur les réseaux sociaux. La fille qui cherchait à rentrer en contact avec ses abonnés-là, toi, tu es un vieux, tu es allé montrer tes choses à cette fille-là, tu l'as traumatisé comme ça. Est-ce que ce sont des choses qu'il faut faire? Ah! Que Dieu nous aide à abandonner nos mauvaises voies,
mais nous-mêmes faisons de bonnes choses, de prenons de bonnes décisions qui vont tout simplement nous aider à réussir dans la vie. Parce que ça, là, ce sont des choses qui envoient la malédiction sur les gens et qui bloquent les affaires. Après, tu seras là en train de te plaindre. Ah, je ne sais pas d'où est venu tel problème. C'est quelle malédiction, quel malheur. Or, toi, tu passais tout ton temps à montrer tes choses aux gens sur les réseaux sociaux. Faites attention aujourd'hui, hein. Faisons attention. Assurément, il y aura une autre vidéo qui va suivre. C'était juste une vidéo pour vous permettre de voir un peu où on peut de comprendre ce qui se passe concrètement sur les réseaux sociaux. Nous avons observé ce que les gens font, ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Et bon, il y a peut-être personne qui publie les photos d'animaux, c'est joli à voir. Tout ça, c'est joli à voir. Mais quand on décide de se mettre nu, c'est là le problème commence à devenir bizarre. Parce qu'on va dire que là, ce sont les démons maintenant qui sont là. Parce que ce sont les démons qui sont supposés à chercher à nous séduire, puisqu'ils veulent nous pousser à pécher. Et si toi, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois une femme qui est nue, qui montre ses seins, comme la fille à la télévision qui montait son doigt là. Faut pas regarder dans ses seins là deux fois. Il faut la voir, puis il faut passer. Parce que si tu as aimé sa photo, tu sais c'est quel péché tu veux de faire. Parce que c'est là même que le péché naît. Et le diable, il fera tout ce qu'il est possible pour pousser les humains au péché. Ne tombe pas sous piège. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Nous sommes fous. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscribable. En dessous de cette vidéo, c'est tout. Abonnez, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, n'est pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don, vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!